Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dissident World. Et c'est parti, et que c'est bon, tiens, on est dans la nuit, on est tranquille parce qu'on est sur un mushroom, tout simplement. Et c'est bon de pouvoir contempler le ciel de nuit, nom de Zeus. Bon, sans pack de texture, je vous l'accorde. Mais bon, on peut pas tout avoir. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors. Que voulais-je faire? Hop, on va faire la chambre. Une chambre qui, je pense, je ne mettrai pas de porte. Je laisserai comme ça, le lit, comme ça, ouais. On verra pour les fenêtres, comment on fera, comment je vais faire. Je pense que je mettrai des placards ici. Tout simplement, ici il y a les étagères, donc peut-être pas de placard. Je verrai comment je ferai. Peut-être. Attends, hop, on va juste jeter un coup d'œil. Hop. Ah, si je double. Ouais, il faudra doubler aussi ici. Le toit a été fait, donc c'est pas la peine. On verra ça. Peut-être. Ah, peut-être une petite idée. Peut-être une petite idée. On verra ça, les amis. De toute façon, on va commencer avec des choses à vous dire aussi. Hein. Voilà. Hop. Donc, pour ceux qui regardent MLDEG, et j'espère que vous êtes nombreux, les amis, vous savez qu'il a annoncé donc la fin de Ragnablock pour début juin. Attendez, excusez-moi. Voilà, il fallait que ça sorte. La toux ne veut pas passer, les amis. J'ai pas de température, j'ai rien de spécial, mais la toux a décidé de me dire ah non, je ne passerai pas. Je cherche le milieu là. Voilà, tout simplement là. Donc, MLDEG a annoncé la fin de Ragnablock pour début juin. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer pour moi? Je vais plus avoir que Dissident World, sachant que j'ai fini les Let's Explorer. Donc, Fred, qu'est-ce que tu vas faire après Ragnablock? Tu auras que Dissident World. J'ai fini le Let's Explorer. Eh ben, écoutez, j'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi. Et le premier week-end de juillet, c'est la Japan Expo. Et vous savez que j'y vais à cette Japan Expo. Donc, je me suis dit, je vais pas faire comme les autres années. Les autres années, je courais pour uploader. Et il m'est même arrivé d'avoir à uploader dans l'hôtel. Avec la connexion foireuse de l'hôtel, n'est-ce pas? Pour finalement vous sortir les épisodes en retard et tout. Il y avait plein de problèmes. Il y avait plein de problèmes. Faut pas se le cacher. Quand on upload de toute façon dans les hôtels, voilà, hein, c'est vite vu. Mais donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Hop là, voilà. Eh ben, ça veut dire concrètement que je vais pas mettre que Dissident World, hein, parce que c'est 2 jours par semaine, quoique ça me repose un peu. Mais je mettrai des vidéos random, comme ça. Ouais. Du random. Attendez. À moins que je mette un tableau, faites voir un petit peu. J'ai fait comment là? Ah, j'ai mis en haut. Oh, on peut mettre. Vous savez, les trucs, les étagères les plus hautes, je sors un petit peu de mes explications, 2 secondes. Les étagères les plus hautes, c'est pour mettre les trucs qu'on ne sert vraiment pas souvent, quoi. Il faut monter sur un meuble, sur une chaise ou sur une petite échelle pour aller les chercher. C'est les trucs qu'on range. Et qu'on se sert vraiment pas souvent, hein. Comme par exemple,
Quand c'est l'été, bah vous imitez les habits d'hiver. Vous savez que vous n'allez pas les retoucher pendant toute une saison. Vous savez, quand vous sortez de l'hiver, il y a printemps, été, automne, après retourner. Donc, vous savez que vous n'allez pas y retourner. Oh, j'ai pas fermé la salle de bain. Oh, mon Dieu, on le fera. Vous savez que vous n'allez pas y retourner, donc vous mettez les trucs en haut parce que vous n'allez pas les reprendre. Voilà, les étagères les plus hautes, c'est fait pour ça. En général, dans les vieilles maisons, on les voit bien. Ensuite, j'avais. Alors, attendez. Enfin, je sais que vous attendez. Ensuite, donc, ouais, je veux pas. Il y aura des trucs, hein, mais ce sera. Je pense. Alors, attention. Je n'ai pas dit. Ça sera comme ça. Non. Je pense que ça sera surtout du random, en fait. Tu te fermes pas, toi. Bah oui, bien sûr. Voilà. Petit bug. C'est pas grave. Je pense que ça sera du random, que je mettrai du Minecraft, que je mettrai des autres jeux. Pourquoi pas quelques découvertes de jeux. Que sais-je encore? Pour le moment, j'y ai pas tellement réfléchi. Pourquoi je fais ça, moi? Oui. Ouais, non, j'ai le truc. Ouh là là, Fredo, je suis perdu dans mes explications. Ah, veuillez m'excuser. Ça pourrait être, oui, des découvertes de jeux, voilà, des trucs comme ça, des délires entre potes. Voilà, ça pourrait être un petit peu tout ça, quoi. Hein? Mais en vidéo stable, il y aura, je pense, pour le moment, que Dissident World. Ça me permettra de me préparer pour la Japan Expo, tout simplement. Hop. Ça me permettra de me préparer pour la Japan Expo et de pas courir pour faire les vidéos, n'est-ce pas? Hop. Et ouais, on va peut-être mettre le petit panneau qui va bien. Ça me permettra de pas courir pour faire les vidéos. Et puis, bah voilà, s'il sort une ou deux vidéos par semaine, c'est pas bien grave. Puis ce sera l'été. Beaucoup de vous vont partir cet été en vacances. Donc, il y aura peut-être une activité moindre sur YouTube, je sais pas. Mais hein, pour pouvoir le mettre là. Ça me va pas parce que pour pouvoir le mettre là, il faudrait le décaler pour que ça fasse tous les côtés. Donc on va enlever ça. J'essaye, hein, j'essaye des trucs, écoutez. Et je vois bien que ça passe pas. Alors attendez, hop. Pour le moment, je laisse séparer comme ça. Et ça, on peut faire par contre comme ça. Hop, pour faire, tac, et puis une petite étagère en dessus, pourquoi pas. On range un petit truc comme ça, là, au-dessus. Ça peut être toujours sympa. Donc, c'est contre. On va faire la même chose de ce côté-là. Tac. Donc, oui, il nous faut un autre. Donc, voilà. Prochain Let's Play console. Ça attendra après la Japan, ce sera dans l'horreur ou dans le post-apocalyptique, je ne sais pas encore, mais ça attendra après la Japan Expo. Donc, pour le moment, jusqu'en juin, il y aura de stable Dissident World et Ragnablock. Ça, c'est le stable hein, jusqu'en juin.
J'ai regardé dans mon inventaire, j'étais pas sûr d'avoir pris les carpettes. Ben, j'avais regardé pour les panneaux, mais pas les carpettes. Donc de stable jusqu'en juin, voilà, ce sera Dissident World et Ragnablock. Et après juin, bah, jusqu'à la Japan, il y aura que Dissident World. Et comme je vous le dis, ça fait beaucoup de des vidéos, des vidéos random hein, sur des mini-jeux avec vous, peut-être, pourquoi pas. Si la 1.13 arrive avant juin, ça me donnera l'occasion de reprendre les lives parce que je pense faire le tout début de Dissident World en live, tout simplement. Je pense le faire en live, le tout début de Dissident World. Donc voilà. Veuillez m'excuser, hein, cette toux persistante qui ne veut pas partir. Et c'est vraiment... Attendez, je vais faire ça comme ça pour le moment. À moins que... Et je suis en train de réfléchir. Ouais, Fred qui réfléchit. Mauvais côté. J'aime bien faire les petites étagères comme ça, vous voyez. Si je remets par exemple une pierre là. Pourrait faire un ensemble. Hop. Là, ça retombe comme ça, n'est-ce pas? Et là, comme ça. Vous savez, il y a des fois, vous avez des chambres qui sont comme ça, qui sont énormes. Vous avez les placards qui sont reliés au lit, qui sont... Hop. Je sais pas comment on appelle ces chambres. Mais elles sont immenses. Quand vous déménagez, vous pleurez parce qu'il faut emmener la chambre, hein, mine de rien. Sinon, madame n'est pas contente. Et vous, vous vous dites, ah, et tout ça emmené. N'est-ce pas? Certains se reconnaissent là-dedans. N'hésitez pas à me le dire si certains se reconnaissent là-dedans. Ça m'intéresse. Là, ça fait pas fini par contre. C'est dommage parce que j'ai besoin de cacher le côté des livres. Merde. Ah oui, non. Oui, je peux que le mettre comme ça. Mais là, ça se voit moins. Ça se voit moins. Il y a les livres. Vous voyez, il faut vraiment se mettre là et encore, c'est caché par les escaliers. Là, j'ai vraiment besoin de cacher le côté des livres. Donc, et ça fait pas fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense faire autre chose pour ici. Hop, on voit le mur à travers, hein, c'est pas bien grave. Et on va le faire de l'autre côté comme ça. Hop, vous voyez juste les étagères comme ça. Bon, faut
D'abord mettre, peut-être d'abord mettre celle-là. Les autres, c'est pas gênant, je pense. Voilà, vu qu'il y a LED sur la bibliothèque. Voilà. Voilà, une petite étagère comme ça. Limite, limite. Et je parle pas du jeu. On pourrait mettre à porte et trapdoor. Hop. Alors ces trapdoors qui font... Ah oh bah tiens, j'ai deux portes. Ces trapdoors qui font chocolat, elles peuvent faire double fonction. Je vais vous montrer. Enfin, double fonction. Hop. Est-ce que je cale là? Bon, on verra. Mais j'arrive plus ou quoi? Merde. Le mauvais côté. Faut pas que je me colle en fait au bloc. Voilà. Vous pouvez dire que c'est soit des trappes à ouvrir, avec un truc en plus, ou soit une décoration de placard. Et ça le fait, regardez, placard, pof, contre la bibliothèque. Nickel, on a une petite chambre qui est vraiment pas mal, hein. On va placer les vitres. Donc en haut, ça pleut toujours parce que c'est le milieu. Potentiel, ben maintenant c'est plus le milieu parce que ça a été coupé avec ça, mais c'était le milieu quand ça partait du fond. Je verrai pour mettre de la lumière ou il faudra voir pour arranger tout ça, n'est-ce pas? En tout cas, voilà pour ce qui est de l'actu de la chaîne pour le moment. Nouveau PC, j'ai eu quelques bévues, quelques imprévus, vous savez, les impôts, tout ça, quoi, donnez-nous des sous. Donc, j'ai dû retarder, mais vous inquiétez pas, hein, ça va se faire. Et il faudra que je voie avec MLDEG qui s'y connaît vraiment bien en PC. Pour qu'il m'aide à faire tout simplement mon PC. Voilà, tout simple. Faudra fermer la salle de bain, ça on le fera. On va faire quelque chose de concret plutôt. Si je me vous voyez mon inventaire, c'est que je regarde à combien on en est. On en a à 17 et on a été plutôt rapidos. Donc là, on a quand même pas mal d'étagères hein, pour poser des trucs. Et ça, c'est assez cool. Ça, c'est assez cool. Cet espace-là, on en fait quoi? On verra. On verra. C'est une salle de jeu, c'est une salle où ranger les trucs, un dressing. On verra ce qu'on en fera de cette salle-là. On verra bien. En tout cas, on est aujourd'hui le 2 avril. Et je vais vous montrer quand même quelque chose. Hein, il faut que je le montre au monde entier. Donc là, oui, on a l'armure. Hop, hop. Je traverse le champ. On va quitter un petit peu le mushroom. Tac, 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 Bulia. Alors attendez, je vais vous enlever quand même le... La pluie, ça doit être dégueulasse pour vous, je pense. Merde. Hop. Voilà. Ce sera déjà mieux. Il faut que je vous montre quelque chose. Alors, c'est pas ce mur de stone hein, qu'il faut que je vous montre. Ça, j'ai monté ça vite fait parce que... Je vais vous montrer vite fait. J'ai pas fait tout le tour. Il faudrait que je le fasse ou que je rebouche ou je sais pas. Les vaches tombaient dedans et c'est vachement profond. Regardez. C'est vachement profond. Et j'aimerais bien l'explorer. Donc le garder ouvert. Mais malheureusement, ben voilà, les mushrooms ils tombaient dedans. Donc du coup, j'ai fait un barrage de fortune hein, pour éviter tout accident.
Regardez, j'avais fait un petit escalier pour permettre à une mushroom de remonter. Et après, j'ai dressé le mur. Donc voilà. Tout simplement, hein, pourquoi il y a ce mur de béton. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Hop, voilà. Oui, meute, meute. La meumeu qui me fait travailler dur pour pas tomber dans les trous. Donc on est obligé de refaire le tour par là. Donc voilà. Hop. Donc je l'ai dressé vite fait parce que c'était avant que je règle. Là, c'est 16h14 et il faut savoir que je bosse cette nuit. Donc voilà. Et oui, c'est pas férié pour tout le monde, les amis. Hein. Hop. Et voilà, hein. Alors je vais me mettre en créa, parce que je vais sûrement le défaire en créa, peut-être avec vous en vous parlant, je ne sais pas. Slash. Game mode. Créative, poum. Voilà, créative, poum, tout à fait. Voilà les blondes, ce qu'elles ont fait. Hein. Voilà, c'est une tour radio. Ah bah t'es jolie toi. Voilà, pour le 1er avril. Voilà, tombe, c'est bien. Et évidemment, hein, la maison du lac n'a pas été épargnée. Hop. Puisqu'elle a été entièrement fleurie. On se calme, les perroquets. Voilà, donc avec ce petit mot, ça fait un long moment que je me suis pas co. Évidemment, hein. Effectivement, hein. Mais j'ai pas oublié le 1er avril et je reviens en force avec mes blagues maléfiques. Nia nia nia. On dirait que des feuilles ont poussé. Désolé, poisson d'avril. Une enfant qui fait partie des blondes et qui aime la neige. Oui. Ma protectrice des boîtes. Voilà, d'ailleurs en parlant d'ouverture, je vous en ferai sûrement avec un petit cœur en diamant. Merci ma petite neige. Voilà, je vais défaire en créa, peut-être commencer avec vous. Je ne sais pas si je finirai avec vous, parce qu'il y a beaucoup à défaire. Mais, oula, ça va laguer à tous les blocs là? Ou comment ça se passe? Oui, nous sommes en snapshot, donc les lags sont... Oula, ça va même être dégueulasse pour vous, les amis. Donc, je ne sais pas si je vais pas vous laisser ici et le faire moi-même de mon côté, parce que ça va être limite dégueu pour vous. Hop. Poum. Voilà. Vous saviez, au fait, je ne sais pas si vous le savez. Tiens, je vais vous montrer. Voilà. Ça a une fin en fait le rayon. Je me suis amusé l'autre jour, on discutait avec Tigra et on était sur le Dissident et je me suis amusé à monter. J'ai dit je vais voir où ça monte. Ça monte à l'infini ou pas? Eh ben non, ça monte pas à l'infini les amis. Regardez, regardez. Ça a une fin. Le rayon a une fin les amis. Et voilà. Donc vous pourrez dire que la fin du rayon se trouve à une hauteur de 255,12 12 396 mètres. N'est-ce pas? Voilà. Vous pourrez le dire. C'est une source sûre, c'est avéré. Voilà. Hop. On se laisse retomber doucement. Oh, ça fait une croix, vous voyez. Voilà, neige et croyante. On le saura maintenant. Donc enfin, voilà, ouais, les ouvertures de boîtes. Je sais que certains et certaines d'entre vous aime ça et j'en referai. Hein. Alors, c'est pas du tout parce que j'ai eu la grosse malchance que j'ai arrêté d'ouvrir les boîtes. Non, c'est lié aussi aux petits soucis que j'ai rencontrés, n'est-ce pas? Et qui m'ont empêché d'acheter mon ordinateur quand je le voulais. Simplement, j'ai fait trop d'achats de boîtes.
en trop grande quantité. Voilà. Donc, ben voilà. Donc, j'ai moins acheté de boîtes, j'ai plus géré mon budget. Et puis voilà. Hein. Comme je vous le rappelle, hein, je ne vis pas de YouTube. Mon contenu est complètement gratuit. J'ai mon boulot à côté. Donc, voilà. Il m'a suffi de me calmer sur mes achats et puis pas d'attendre que l'argent revienne, quoi. Enfin, la paye, de toucher mes payes. Donc je referai sûrement des ouvertures de boîtes, peut-être une avant de partir à la Japan. J'en prendrai à la Japan pour vous en faire aussi. Et puis voilà, je vais arrêter de casser les blocs en vous parlant, parce que ouf. On va replacer ce qui se casse en même temps. Oula, ouais, beaucoup 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 de lag. Donc je vais casser ça en off. Et puis en plus, il se met à pleuvoir. Je vous assure, j'ai demandé à Tigra. Je l'ai dit à Tigra, le prochain Dissident World, on prend une savane parce que j'en ai marre de toute cette pluie et de faire du Weather Clear toutes les 2 secondes. Calisse! Voilà, ça c'était pour nos amis québécois que j'adore évidemment. Oups là, excusez-moi. En tout cas, on est à 26 minutes. Écoutez, c'est pas dégueu comme temps. Alors ça, j'ai pas vu par contre. Alors attendez. Les cactus ont envahi ta maison. Fais attention à pas te blesser. Poisson d'avril. Une fille boule de neige. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, j'avais pas vu, hein, je peux vous dire. L'invasion de cactus. L'invasion de cactus. Eh ben, je peux chanter comme Jacques Dutronc, hein. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Et voilà. En plus, elle m'a fait une mini-usine à cactus. Hein. Merci, Neige. Oh, c'est adorable. C'est adorable, Neige. Oh. En tout cas, voilà. Vous voyez que le 1er avril n'a pas épargné. Dissident World. Voilà. Donc, ben, on va se quitter ici parce que, ben, petite déco de chambre, ben, la découverte des pranks, et puis voilà. Hein. Tout simplement, je vais me mettre près de ma Harley Craftinson, hein, ma bécane de légende. Ah! Il y a étoile d'araignée qu'on souhaitait. Ça, c'est le passage en snapshot. Hein. C'est pas. C'est les passages en snapshot. Et rétrogradé en snapshot aussi. L'étoile, elles se prennent pas ici, l'étoile. Non, ça se prend où? Pas dans la bouffe quand même. Pas là-dedans. Je vais trouver. Normalement, c'était là, l'étoile. Bon, vous savez quoi? Tac, moi non. Pas chier, non mais. Méchant. En tout cas, voilà. J'espère donc que cet épisode vous aura plu. Ah merde, je suis en créa. Attendez, 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 je peux pas vous dire au revoir en créa. Voilà. C'est impossible pour moi de vous dire au revoir en créa. Hop, non, non mais, alors, du bon vieux survival. Tac, 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 Bulia, comme dirait Bob Lennon, voilà, ah, toi-même tu sais. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.